Écoute, je t'ai dit que j'étais désolé d'avoir couché avec ta mère. Tu vas pas m'appeler tous les jours. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tous une très bonne année 2022. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle caméra cachée. Mais juste avant, cette vidéo est sponsorisée par 4K Vidéo Double Under. Merci à eux, franchement. C'est un logiciel qui vous permet de visionner n'importe quelle vidéo, même hors ligne. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit simplement de copier n'importe quel lien, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe, et d'appuyer sur le bouton télécharger. Ce logiciel permet également de télécharger vos playlists préférées, que ce soit pour la musique et tout. Franchement, pour la musique, c'est trop cool. Et bien sûr, il y a une version totalement gratuite qui permet d'utiliser la plupart de ces fonctions. Donc foncez les amis. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Je vous laisse avec la suite. Bonne vidéo. Allô, ça c'est encore toi. Écoute, je suis désolé d'avoir couché avec ta mère. Tous les jours, tu m'appelles. Tous les jours, tu m'appelles tous les jours pour ça. Oui, écoute, je t'ai dit, j'étais désolé d'avoir couché avec ta mère. Tous les jours, tu vas m'appeler pour ça. Tout le temps, tu m'appelles pour ça. Ah putain, c'est encore toi. Écoute, je suis désolé d'avoir couché avec ta mère. Elle m'a sauté dessus. Écoute, c'est pas de ma faute. Wow, alors là, je sais pas quel cul toucher. What? Le gros. Okay. Le gros, ouais, ouais, le gros. Franchement, ouais, ouais. Franchement, je peux te... Tu payes. Sérieux? Je vais partir avec. Excuse-moi mec, est-ce que je peux tripoter ton petit cul? Le petit cul? Oui, juste le petit. Ouais, vas-y. Wow, attends une petite seconde, je sais pas lequel choisir entre ces deux culs. Je vais prendre le gros. J'adore les gros culs. Excuse-moi, est-ce que je peux toucher ton cul? Juste. Avec plaisir. Franchement, un tout petit peu. Ouais, non, et non, non, tu sais, mais pas. Mais magnifique. Je sais que. Mais non, tu tapes pas mon cul comme ça, tu vas le casser. Ah, ah, moi j'adore casser les culs. Ouais, bah non, bah tu le casseras jamais celui-là. Moi je te dis, celui-là, tu le casseras jamais. Eh mec, je peux toucher ton petit cul ou pas? Je peux toucher ton petit cul ou pas? Je peux touche. Un petit peu. Non, mais tu le touches. Ouais, le touches. Je peux juste toucher. Alors caresse-le. Ok. Ouais. T'aimes bien qu'on caresse le cul? J'aime bien qu'on caresse ce cul-là. Quel gros cul! Putain, j'aimerais bien le toucher. Putain, wow. Oui, mais pas trop. Putain, il est super ton ouais, cul. Mais fait, bien rouge. Caressez pas comme ça. Oh, il est énorme. J'aimerais trop toucher votre cul. Franchement, il est magnifique. J'ai jamais vu. Non, 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 attends, tu t'as pas mon cul comme ça, attends. Je peux le casser ou pas? Non, non mais... tu casseras pas mon cul. Ah, j'adore casser le cul. Putain, mais bah, vous prenez des risques de malade à faire ça en fait. Waouh, waouh, j'aimerais trop toucher ton cul. Juste là. Ouais, avec plaisir. Il est magnifique. Je peux le casser ou pas? Non, tu casses pas mon cul. Sérieux, toi? C'est incroyable. Non, mais tu touches pas mon cul. Il est tout éblouissant. À un moment donné, ça suffit. Tu vois, je veux bien que tu le touches, mais après, tu l'attrapes pas, tu le casses pas. Incroyable. Vous êtes incroyable. La caméra, juste la regarde. Vous êtes incroyable. Je sais pas quel cul toucher. Le grand, le petit, je vais peut-être prendre le petit. Alors, je peux prendre si le petit. Je pense que c'est 50 euros l'heure. 50 euros l'heure? Ah ouais, non, mais c'est trop. Ah bah, c'est je te le rends ce soir. Excuse-moi, j'ai une question. Une question. Est-ce que je peux casser ton cul? Non, tu peux le toucher, mais tu peux pas le casser. Je peux pas le casser? Non, tu peux. Un soir, je le casse. Non, tu le casseras pas. Tu vois que je. Écoute, je suis désolé d'avoir couché avec ta mère. Tous les jours, tu vas m'appeler pour la même chose. Tous les jours. C'est tous les jours à m'appeler. Ah, c'est... Écoute, je t'ai dit que j'étais désolé d'avoir couché avec ta mère. Tu vas pas m'appeler tous les jours. Elle m'a sauté dessus, c'était pas... Mon lacet. De me tenir vite fait les livres pour que je puisse faire mon lacet vite fait. C'est la veuve noire, l'araignée. Faut surtout pas qu'elle tombe. Parce que c'est un pote qui me l'a remis du Brésil, c'est la veuve noire. L'araignée la plus vénéneuse. Non mais j'ai réussi à l'avoir d'Australie. Elle est passée où? Attends, attends, fais surtout pas de mouvement brusque. Donne-moi les livres. Fais pas de mouvement brusque. Parce que là, elle est où? Elle est où? Il n'y a pas d'insectes? Elle est endormie. Ah, j'ai peur, monsieur. Non mais elle est endormie. C'est un frelon asiatique que j'ai capturé derrière. T'inquiète. Elle bouge, mais elle est plus là. De toute façon, elle est où? Elle s'enfuit, la conne.
Elle est où la putain de caméra? Elle est derrière toi. J'ai trop peur. En plus, j'étais grave bien collé, putain. Et vraiment ouais. Bien joué. Sérieux? Une tenir ça vite fait? Ouais, pour que je fasse mes lacets, c'est bien. Je crois qu'il faut te mettre ta main en dessous. C'est la veuve noire. Voilà, bien, je l'ai chopé en Australie en fait. Ouais, c'est bien, tu mais attends, hey, en 20 minutes, ils ont dit en 20 minutes, elle te pique, c'est terminé. Mais elle est où? Bah, elle est là. Elle est là, là, elle est là. En train de battre ta phobie là. Wesh, ouais, elle est où? Comment ça, elle est où? Bah, je sais pas, elle est où? Ouais. Non, mais elle est où? C'est pas moi, ça reste. L'autre main. L'autre main. Oh, ouais. Oh, merde. Hé, faut pas faire des blagues comme ça, hein. Hé. Oh, ouais. Oh là là, est-ce que tu peux m'aider? Je suis fermé là, c'est... Oh, excuse-moi. Voilà, faut... c'est bon, tu l'as? Ouais. Faut surtout pas que ça tombe. C'est un frelon asiatique que j'ai capturé derrière. Il est énorme. Ah, ce soir, je vais le... Il hein. Ouais, ouais. Y a un trou? Il y a un trou, là. Elle s'est enfuie. C'est la reine, en plus. Ah non. Ah, si, 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 elle s'est enfuie. Ah si, elle était là il y a 2 minutes. Ah putain, c'était une blague. Tu peux m'aider, vite fait, s'il te plaît? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Ça, ça va pas tomber. Faut surtout pas que tu la fais tomber, parce que c'est la veuve noire que j'ai capturée. C'est un pote qui me l'a ramené du Brésil. Ouais, non, ah ouais, y a un trou. Ah non, putain, je l'ai payé cher la veuve noire. Faut que si ça tombe, je suis dans la merde en fait. C'est bon tomber. Non, faut pas que ça tombe, franchement, okay, faut pas que ça tombe. Parce qu'en fait, c'est la veuve noire, c'est l'araignée. Oh, Starfoula, la tête à l'envers. Non, mais non, non, si tu bouges, elle va s'échapper. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Non, non, parce que c'est très agressif. Elle est plus là, elle est plus là. Ah bah, en fait, elle te pique. En 30 minutes, j'ai trop peur. En 30 minutes, elle te déglingue. Exactement, la veuve noire. C'est une araignée ultra venimeuse. Au revoir. Elle est où? Bah, elle est pas là. C'est bon, sur ta... Ah ah fort. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais me tenir vite fait les livres pour que je puisse faire mon lacet? Ça te dérange pas? Ok, sinon, surtout, fais pas de mouvements brusques parce qu'il y a un frelon asiatique à l'intérieur de la boîte. Il y a un petit trou dans la boîte. Non, il y a un trou? Wow! Merde, attends! Elle s'enfuit! Elle s'enfuit! Allô, mec! Écoute, arrête de m'appeler tous les jours, je suis désolé d'avoir couché avec ta mère, c'est bon, passe à autre chose! Oh là là, toujours! Passe à autre chose, mon gars! C'est tous les jours que tu m'appelles pour la même chose! Allô? T'as, c'est encore toi, et je t'ai dit que je suis désolé d'avoir couché avec ta mère, tu vas pas m'appeler tous les jours! En fait, ça peut paraître un peu fou ce que je vais dire, mais en fait, mon frère m'appelle le loser parce que j'ai pas de copine et lui, il en a une. Donc je lui dis que j'avais une copine et j'en ai pas. Est-ce que tu peux prétendre être ma copine pour 15 secondes que je lui envoie un snap et lui prouver que... Oui, génial. Ah, c'est super gentil. Pas de soucis. Merci beaucoup. Ok, moi c'est Jimmy. Ok, bah moi c'est Diane. Diane, enchantée alors. Donc tu dis, ouais, tu fais genre, ouais, ça se passe bien entre nous. Toi, tu fais genre vraiment, tu... Je sais pas, mais tu fais semblant que t'es ma copine, quoi. Salut Frangin, je suis avec... je sais plus, mince. Salut Frangin, je suis avec Diane. C'est ma nouvelle copine. Ouais, ça se passe super bien entre nous. Ouais, tu vois comme elle est super belle. Franchement, on s'est rencontrés sur Tinder, il y a à peu près combien de temps? Il y a 3 mois. Voilà, il y a 3 mois. Ça se passe super bien entre nous. Donc s'il te plaît, si tu peux arrêter de dire à papa que je trouverai jamais une meuf qui accepte que je porte des strings. Parce que c'est pas vrai en fait, tu vois, elle sait que je kiffe, elle sait que j'en porte comme papa. Et voilà, regarde la preuve, tu vois. Il n'y a pas de... Tu vois, j'en porte tous les jours, ça lui pose pas de problème. Elle est même folle de moi. Donc sois pas jaloux, frangin. Voilà, bisous. Nickel, c'est bon, j'ai le truc. Merci, Diane. Non, ça fait super... Non, franchement, entre nous, hein, avoir quelque chose qui se rentre à l'intérieur des fesses, ça me rend dingue. La vérité, hein. Margot, t'es prête ou pas? Vas-y, on fait oui. Ça, on vite fait. Vas-y, fais genre. Ok, c'est bon, Margot, t'es prête? C'est bon. Oui. Mais je veux dire quoi? Attends, t'inquiète. Salut Frangin, je suis avec Margot, je te présente ma nouvelle copine. Tu vois comment elle est super jolie. Tu vois, on s'est rencontrés sur Tinder. Sur Tinder. Il y a combien de temps à peu près? 2-3 mois. 2-3 mois, voilà, 2-3 mois. Ça se passe super bien entre nous. Donc tu vois, je t'ai dit que j'avais arrêté de sortir avec des cougars. Tu vois bien qu'elle a, elle a 20 ans. T'as 20 oui. ans. Voilà, elle a pas 40, 50 ou 67 comme mes ex. Donc elle a bien 20 ans. Et tu vois, je t'ai pas mytho. Et nous, on t'embrasse. On est en Espagne, il fait super gros beau. Gros bisous. Gros bisous. Non. Okay. Ouais, merci Margot. Bon là, y a pas la palme d'or là du coup, sans le bisou. Non. Ça va arriver. Ça, elle est un peu jeune et tout, ça va arriver. C'est la première fois que je sors avec une fille de... Enfin, ok. Ok, merci.
Voilà Frangin, je suis avec Hélène, voilà ma petite copine. T'as vu comment elle est super belle? Ouais. Bon, on s'est rencontrés sur Tinder il y a à peu près deux mois. Ouais, deux mois et demi. Donc voilà, donc il faut arrêter de dire à papa que je suis encore puceau, parce que c'est plus le cas maintenant. Donc, donc voilà. Mec, là on est en Espagne, ça se passe super bien, il fait super beau. Et puis on t'embrasse. Et puis voilà, c'est tout. Ok, salut. Non, non, mec, tu me... Salut Frangin, je suis avec Émilie. Tu vois, tu me croyais pas que j'avais une copine, en fait c'est la vérité. Ça se passe super bien entre nous. Elle bouffe pas ses crottes de nez comme mon ex. Celle-là elle est propre. Enfin t'es propre, tu fais pas ça. Bah non. C'est dommage, c'est vrai que... Non. Tu kiffais? En vrai, à force de l'avoir mangé, je... C'est vrai que j'ai goûté. Ok. On s'éloigne du sujet. C'est... Voilà, on est super bien ensemble, on t'embrasse. Salut. Bisous. Non, vraiment pas. Tu t'appelles comment? Guimette. Ouais. Ok, moi c'est Jimmy. On m'appelle 13,5 aussi. 13,5. Oui. Tu dis ouais, voilà, je suis content d'être avec lui. Je suis avec Guimette, c'est ma nouvelle copine. T'as vu comment elle est super jolie? Voilà, on s'est rencontrés sur Tinder, non? Ouais, bah ouais. Il y a combien de temps? Comme tout le monde. Un mois et demi, deux mois. Voilà, c'est ça, un mois et demi, deux mois. Donc maintenant, si tu peux arrêter de dire à papa que je trouverai jamais une meuf qui accepte de sortir avec un éjaculateur précoce, parce que c'est pas le cas maintenant, tu vois. J'ai vraiment une copine qui l'accepte. Voilà. Et au passage, si tu pouvais arrêter de m'appeler 13,5, parce que j'ai réussi à tenir plus de 30 secondes, donc le compte n'est pas bon, du coup. Non, ça ouais. Salut. Attends, pas devant la caméra. Ah, okay. Ah, pas devant la caméra. Okay. Non, mais tout court, du coup. Mais là, Non. Ah non. Ah non. Ok. Ok. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. On est étudiant, on a un exposé de magie à rendre après-demain. Vous pouvez être volontaire ou je peux vous faire un tour de magie. Et comme ça, voilà, j'espère avoir la note 20 sur 20, tu vois ou pas? Est-ce que tu aurais un écouteur ou un AirPod ou... J'ai des écouteurs filaires. Ouais, c'est bon, ça passe. Il peut filmer comme ça pour mon exposé à la classe. Alors, j'espère avoir 20 sur 20 quand même là. Alors, vous êtes prête, hein? Ouais. Alors, le tour, il est très simple. Regarde, hein. Regarde ce qui va se passer. Il est bien coupé. On est bien d'accord. Je vais simplement faire un petit tour de magie. Je vais faire ça. Regarde bien. Dis maintenant, abracadabra, écouteur, remets-toi. Abracadabra, écouteur, remets-toi. Ouais. Souffle. Okay. T'es prête? Ouais. T'es vraiment prête? Ouais. Attends, on va refaire. On va refaire. Ok, vas-y. Alors, faut que tu souffles, tu vois. Tu mets tout dans ce souffle. Ok. Abracadabra, écouteur, remets-toi. Abracadabra, écouteur, remets-toi. Ouais, en fait, ouais. Mais t'es sérieux, ça marche pas ton truc? Non mais j'ai... Ça marche pas? Si, c'est ça, si. C'est quoi? Franchement, démerde-toi avec ton truc. Non mais j'ai mon exposé de après demain. J'ai mon exposé. Oh, non mais reviens. Non mais ça fait une journée qu'on est là-dessus. J'ai raté une seule fois et ça l'a saoulé. Ah oui. Donc wow. Et moi demain j'aurai plus de. Enfin je. Je vais avoir 20, 0 sur 20 et. Oh non, c'est quoi ta médecine? En plus je comptais trop sur ce. C'est pas grave, hein. Bah, je suis désolé, franchement. C'est pas grave, c'est pas grave. Puis j'ai cassé un écouteur. C'est un peu grave quand même. Je suis vraiment désolé, Désolé. En fait, c'est une petite caméra cachée. Regarde, les caméras, elle existe là. Et pour me pardonner, je te donne. Je n'arrive pas à le sortir. Mais incroyable! Pour la place, je te donne des AirPods Pro. Voilà. Non. Si. Des AirPods Pro pour toi. Si. Merci beaucoup, c'est incroyable, mec. Non, mais vraiment, zéro souci. Juste un petit coucou à la caméra. T'es contente ou pas? Ah, je suis tellement contente. Sérieux? Oh, merci, vraiment. Je t'en prie. En plus, ces écouteurs, ça faisait archi longtemps que je voulais changer. Ok. Merci beaucoup, vraiment, il y a zéro souci. Je t'en prie. Merci, franchement, j'ai d'acteur. Je peux vous faire un petit tour de magie qui dure 5 secondes. En fait, il me faudrait juste si vous avez un AirPod. Il est sale. T'en as qu'un? Bah t'inquiète pas. C'est un truc de ouf. C'est pas grave. Ok. Ok. Donc, regarde bien ce que je vais faire. Donc ça c'est ton AirPod. Regarde.
Ça, c'est ma petite boîte magique. D'accord ? Regarde bien ce qui va se passer. Je vais mettre ton AirPods à l'intérieur. Ça donnera plus. Hop. Il sera en vie encore. On referme. Attends, il va bien le paquet. Voilà. T'inquiète pas, ça fait partie du tour de magie. Hop là. Mets ta main, donne ta main. Donne ta main. Mais tu l'as cassé. Non mais t'inquiète. Ferme ta main. 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 Dis maintenant abracadabra. AirPod remets-toi. Abracadabra, écoute. Non, AirPod remets-toi. AirPod remets-toi. Souffle, 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 souffle. Est-ce que tu vas me croire qu'il sera réparé? Non. Tu pourrais croire que c'est impossible. Mais oui. Vas-y, ouvre ta main. J'ai cassé. Ah merde. Attends. Ah mais non, je suis. Non, mais ouais, j'ai. Je devais mettre celui-là dans le blender en fait. Je devais pas mettre le tien en fait. Ah mais non, je suis. Non, mais ouais, je suis j'ai. Non, c'est sérieux en fait. C'est. Je m'en bats. Comment ça va? Non mais je. Comment on peut faire? Il est vraiment cassé? Bah oui. Il est. Moi j'ai une solution pour toi. Et si tu vois, à la place je te donne des AirPods Pro. T'es contente ou pas? Non. Attends, là. Regarde, petite caméra cachée en face de toi. Tu mens ouais. C'est bien, regarde. Elle a. Tiens, désolé. Mais non mais c'est terrible. Ouais tiens ça. Mais non. Retends-toi. Merci wesh. Un petit câlin ou pas? Merci. T'es putain. Contente? Eh hey, mais voilà, j'ai. Tu sens mieux? Pas moi, je suis en mode la vie de ma mère que je laisse pas partir. Mais moi, j'avais peur là. Non, mais c'est quoi ce délire? En fait, je suis magicien, je fais beaucoup de spectacles et tout ça. Est-ce que je peux vous faire un petit tour de magie qui dure 30 secondes? Alors, il me faudrait juste un AirPod. T'inquiète, fais-moi confiance. Alors, imagine que cet AirPod, c'est le cerveau de ton pire ennemi. Moi, c'est le Dr Tay. Mais pour toi, imagine. Ouais. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais le faire disparaître. Ouais. D'accord? Pour ça, c'est très simple. Regarde bien. Faut vraiment être attentif. Hein. Regarde. Je l'ai là. Tac. Je prends ça. Mets-le dans tes mains. Mets-le dans tes mains. Mets-le dans tes mains. T'inquiète. Je vais partir tout. Ferme ta main. Alors, soit je le fais réapparaître, soit tu jettes comme des miettes pour les pigeons. Moi, je préfère la deuxième solution. Franchement, je suis un peu. Non. J'aime pas trop les AirPods, donc. Donc voilà quoi. Excusez-nous. Ah bonjour Docteur Tay. Il a fait quoi? Non, c'était un tour de magie, docteur. Oui, comme d'habitude. Non. Il sort de Sainte-Anne. Il a cassé quelque chose encore. C'est un AirPod. Non, c'est pas vrai. Moi, c'est bon, je le ramène. Vous passez à l'AFP, on vous remboursera, c'est à l'hôpital. Allez, on y va. Et attends, t'as pas quelque chose à leur dire? Va t'excuser. Non, mais en vrai, c'est une blague. Je suis désolé, en fait. Mais là, tu vas t'excuser, mais c'est le col, il est cassé. Je suis désolé, et à la plage, je te donne des AirPods Pro. Une pour de vrai? Ouais. Mais non. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est une petite blague, en fait. Mais ouais. Non, merci. Mais c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Des AirPods, là, c'est vrai. T'es contente? Ouais. Sérieux? Désolé. Mais pour de vrai? Ouais, pour de vrai, ouais. C'est tout ce qui reste de l'AirPod en fait. Toilette? Vous savez pas où je peux trouver des toilettes vite fait? Essayez de regarder peut-être la Yura, peut-être des petites tables. Ah, c'est des restos, peut-être je vais aller au resto, c'est mieux. Merci beaucoup, c'est gentil, bonne soirée. Mais quittez-la. Excusez-moi les filles, vous savez où je peux trouver des toilettes dans le coin, mais rapidement, pour une grosse commission. Là, dans les... Je suis désolée, je sais pas du tout. Dans les halles. C'est sûr? Ouais, dans les halles, ouais. Trop meilleur, non? C'est sûr et certain. Ah ouais, là c'est... je crois que j'arrive pas à bouger en fait. Je suis désolée. Attends. C'est où? Au hall? Ouais. Et vous avez de la merde. C'est pas vrai. Si, je vous promets. Non. Attends, meuf, parce que là. C'est sérieux ou pas? Je vous promets.
Putain, merde, je me chier dessus, bordel, merde. Excusez-moi de vous déranger, vous savez où je peux trouver des toilettes puis rapidement. Non, pas rapidement, ah là. Hein ? Peut-être à l'intérieur des halles. C'est vrai ? Je savais pas trop. C'est pas grave, merci. Enfin. Bon, excusez-moi les filles, vous savez où je peux trouver des toilettes rapidement? Vous savez pas? Dans les halles. Ouais. Dans les halles là où il y a les magasins. C'est sûr. Ouais, là, mais là, un étage toilette, par contre, faut marcher. Ah, faut vraiment pas que je marche, parce que c'est... Toilette là-bas, toilette. Où ça, là-bas? Tu vois, toilette, là y a un, tu vois, l'arbre, il y a un petit trou au niveau du lampadaire en face. Je vois pas du tout. Le plan, il y a un plan. Ah oui, là-bas, là? Ouais, il y a écrit toilette. Ah ouais, je vois. Ah ouais, j'y vais. Marche comme ça, tu marches comme ça. Direct? Ouais, il y a écrit toilette. Merci. Ah ouais, c'est là-bas. Excusez-moi les filles, vous savez où je peux trouver des toilettes rapidement? Toilettes? Vous savez quoi? Je suis désolée, non. Pas trop. Ah, je crois qu'il y en a là-bas, non? On peut aller voir, ouais, vers les bâtiments. En tout cas, merci.